c'était vraiment un super beau pays. C'était vraiment génial. Franchement, faut y aller, quoi. Non, mais faudrait qu'on y aille, nous aussi, hein, vraiment. Ouais. Moi, je pars plus, moi. Vous êtes partie, du coup? Attendez avant de raconter. Je reviens, je vais aux toilettes. On est parti en croisière. Cool. Sur un bateau de migrants. Quoi? Attends, pardon. Non. T'es sûr? Quoi? Tu crois? C'était pas... Parce que moi, j'ai pas vu le vrai bateau. C'était un bateau de migrants? T'es sûr? Oui, mais il y avait un bateau normal. Non, on était trop sérieux. Bon, bah, racontez-nous. On a voulu faire une croisière sans passer par nouvelles frontières. Sur un bateau pneumatique, ça change des hôtels chics. 120 sur un radeau pour 8, pas la place pour nos Samsonites. Heureusement, après 1h30, on n'était plus que 30. Les gens se baignaient même s'il faisait froid, en faisant coucou avec les bras. Visiblement, ils s'amusaient parce qu'ils ne revenaient jamais. Au loin, on a vu un requin qui jouait avec un petit Syrien. Du coup, on était moins serré, on a pu allonger nos pieds. Les vacances typiques, c'est sympathique. Tu découvres là-bas ce que t'as pas chez toi. Et ça fait du bien de voir des gens qui ont pas les moyens. Du coup, quand tu reviens, t'es bien. Toi, t'avais mis ta chemise à fleurs. Moi, mon maillot de bain, Quicksilver. Les autres portaient des vieux vêtements. On aurait dit des migrants. C'est qu'il y aurait un verre d'accueil, mais il n'y avait même pas d'amuse-gueule. C'était sûrement pour cette raison que tout le monde faisait la gueule. Et quand le bateau s'est dégonflé, là c'était trop, on s'est cassé. On a rejoint notre cousin Claude qui nous suivait dans son yacht. Le soleil se couchait sur ces corps qui nageaient. C'était tellement magnifique que j'ai fait un panoramique. Ça fait du bien de voir des gens qui n'ont pas les moyens. Du coup, quand tu reviens, t'es bien. Ça fait du bien de voir des gens qui n'ont pas les moyens. Du coup, quand tu reviens, t'es bien. Alors, ces petites vacances? Bah...